Moi c'est Raymond, je fais partie de l'organisation du Carnaval de Toulouse. Là vous êtes à l'intérieur du hangar où 25 porteurs de projets sont en train de réaliser leur œuvre. Je fais partie d'une batucada toulousaine qui s'appelle Blocodaki. On participe au Carnaval de Toulouse. C'est notre troisième participation, donc on a commencé en 2012. Et l'année dernière, 2013, on avait fait un toucan, donc c'est le char qui est là. Et cette année, on a décidé de faire un jaguar. Nous, l'asso, c'est l'œil dans le bazar. On construit une grosse tortue d'à peu près 4 mètres de long. C'est plutôt une grosse tortue pâteau, ça nous ressemble un peu. Je m'appelle Pierre-Jean Husson, dit Pierrot. Je fais partie d'une association qui s'appelle Electronic Music Arts, IM Arts. Cette année, on part sur la thématique du 8-bit. Alors le 8-bit, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui est déjà avant le CD audio. Donc le CD audio 16 bits qui arrive dans les années 90, donc on est entre les années 70 et 90. Je m'appelle Jean-Pierre Faraco, je suis travailleur social sur un centre d'hébergement, ça s'appelle le CHRS, Centre d'hébergement et de réinsertion sociale. C'est géré par l'association Espoir. Cette année, proposition donc, de refaire la place de la Trinité, la fontaine. Donc on a été voir un petit peu cette fontaine, on s'est demandé qu'est-ce qu'on pouvait y faire. C'est une pieuvre qui sera un peu monstre, puisqu'elle sera rhabillée avec du tissu, plutôt du tissu à moumoute, quoi, à poil long. Voilà, mais ça va être un gentil monstre quand même. En ce qui concerne vraiment la phase de réalisation donc, qu'on va commencer, il faut imaginer en fait un gros tube de 6 mètres de long, de 2 mètres de diamètre, et qui est donc structure métal sur lequel en fait, on va tendre un lycra jaune. Et ensuite on a une asso de graffeurs en fait, qui sont des amis de notre batucada, qui vont venir peindre tout le jaguar avec des bombes. Alors la Rosalys, donc là il y a une vue de dessus. Donc là, on peut identifier en rouge, c'est les deux mobilettes qui sont coupées en deux et qui sont rallongées. Ensuite, il y aura une tête qui sera articulée, la carapace qui va être réalisée en bambou et des pattes aussi qui seront articulées de façon à donner un effet visuel de pas. C'était notre parti pris, notre défi de faire quelque chose sans moteur cette année. Donc là, le char se décline sous les formes primaires et de base, donc le rond, le carré, le cube, la croix qui est un peu plus volumique, et le triangle, la pyramide qu'on trouve au-dessus de la régie technique. Toutes ces structures vont être habillées en lycra, sachant que donc sur ces quatre formes vont être envoyées de la lumière, de la rétroprojection. On aura deux, trois, voire peut-être quatre vidéoprojecteurs. Ce qui est intéressant pour nous et pour les gens aussi, c'est-à-dire donc déjà un dans l'intégration bien sûr, c'est de rencontrer d'autres personnes, pas qu'être avec des personnes en difficulté, mais rencontrer aussi d'autres publics. Ouais, l'envie de bricoler, de créer et de s'amuser. On se prête notre matériel, on se prête nos outils, on se donne des conseils et c'est très très enrichissant